Aujourd'hui, je vais essayer un autre format, un peu genre mode vlog. Tu me diras quel format tu préfères. Là, je vais te présenter des produits qui sont dits être bons pour ceux qui ont une forte porosité. Donc, je ne suis pas concernée jusqu'à maintenant, mais écoute, ça peut pas me faire de mal. Donc, on y va, on va dans la salle de bain. On va commencer comme d'habitude par le bain d'huile. Donc, cette fois-ci, c'est une huile végétale de ricin bio et de la poudre de tchébé du Tchad. Donc, tu peux l'utiliser en bain d'huile comme je le fais là. Tu peux l'utiliser également pour sceller ton hydratation. Tu peux également l'utiliser sur le cuir chevelu en l'appliquant 3 fois par semaine et ensuite en effectuant un massage. Mon utilisation préférée, c'est la première et la troisième que je viens de te dire. Parce que pour sceller l'hydratation, je trouve que c'est un peu lourd l'huile de ricin. Mais c'est quelque chose que tu peux faire, ça dépend de tes cheveux. Parlons donc de cette poudre de tchébé. Donc, elle est réputée pour stimuler la croissance et prévenir la casse, fortifiant les cheveux, ce qui va te permettre d'atteindre une longueur maximale, surtout si tes cheveux se cassent au fur et à mesure qu'ils poussent. Elle aide à retenir l'humidité des cheveux en rendant les cheveux plus souples et moins sujets aux cassures. Elle aide à prévenir la casse puisqu'elle fortifie les cheveux. Et elle améliore la texture du cheveu. Les cheveux deviennent plus doux, plus lisses, plus faciles à coiffer. Donc ça réduit les nœuds et donc les difficultés à démêler. Elle apaise aussi le cuir chevelu. Donc là, c'est dans l'huile de ricin qu'il y a de la poudre de Là, chébé. c'est l'heure du shampoing. Donc le bain d'huile, je l'ai laissé, je l'ai laissé super longtemps. J'ai fait avec un casque, mais si tu as une forte porosité, n'utilise pas de casque. Et je suis restée, je sais pas, au moins 40-45 minutes sans casque avec ça, parce que j'ai vaqué à mes occupations, j'ai bossé un peu, j'ai fait la vaisselle pour pouvoir me montrer un peu quelque chose de débarrassé. Et là, on y va pour faire le shampoing. C'est parti. Ce shampoing est un shampoing 3 en 1. Donc il fait shampoing, il fait aussi savon de toilette et il fait aussi savon pour les mains. Bon, il est enrichi en huile essentielle de tea tree et c'est un savon noir. Donc du savon noir et de l'huile essentielle de tea tree. Je l'ai utilisé comme premier shampoing parce que pour moi c'était clair que c'était pas un shampoing doux mais plutôt un shampoing dit classique, c'est-à-dire que ça ouvre un petit peu plus les écailles qu'un shampoing doux. Mais finalement, je vois qu'il ressemble même à un shampoing clarifiant. Donc, je l'utiliserai comme tel, c'est-à-dire une fois par mois, me concernant. Parce que j'ai vu que ça a bien ouvert les écailles. Ça a tellement ouvert les écailles de mes cheveux que j'ai un peu de ma coloration. Je disais que j'ai un peu de ma coloration qui est partie, qui a dégorgé. Je te montre ça. Je mets un peu sur le carrelage pour que tu puisses voir comment ça fait lorsque ma coloration part. À savoir que ça fait plus de 2 ans que j'ai cette coloration-là et qu'elle ne partait pas. Donc tu vois, la mousse est un peu rose, légèrement rosée. Ensuite, j'ai fait un shampoing plus doux, donc de la marque Torep. Alors, ce shampoing, honnêtement, à part vous dire que il est riche en glycérine, je n'ai aucune autre information. Il n'y a pas grand-chose sur la bouteille, il n'y a pas grand-chose sur le site internet. Donc, je peux vous parler aussi du ressenti. Mes cheveux sont plus doux, ça mousse énormément. Bon, c'est normal, hein, glycérine. Mes cheveux sont doux après l'utilisation. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'utilise là, mais est-ce que je vais continuer à l'utiliser après? C'est-à-dire, est-ce que je vais le racheter? Non, parce que j'ai pas beaucoup d'informations dessus. J'ai fini mon shampoing. Je vais aller mettre mon living. Je réfléchis, est-ce que je vais me doucher ou pas? Non, pas encore. Je vais commencer à me coiffer. Et je reviens pour te montrer le troisième produit de cette vidéo. Alors, mon eau est trempée pas seulement à cause de mes cheveux, c'est vraiment parce qu'il fait aussi super chaud. Ah, j'ai oublié de prendre mon peigne. Le jour où l'hydratation de tes cheveux est au maximum, c'est le jour où tu fais ton shampoing. D'accord? Là, 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 l'hydratation de mes cheveux est au maximum. Là, ils sont même saturés d'eau. T'entends le bruit? Et cette hydratation va diminuer au fur et à mesure selon l'humidité ambiante, enfin l'air. Là où je suis, quoi. D'accord? Donc, l'objectif,
pendant que l'hydratation est au maximum dans mes cheveux, c'est de la faire rester le plus longtemps possible. On est d'accord. Comment je fais pour la faire rester le plus longtemps possible? Donc là, je vais appliquer un beurre. Beurre de cacao. Par contre, c'est dur. Et pourtant, je suis aux Antilles. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec la température qu'il fait. Je sépare en deux. Et je vais faire des nattes. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de nattes. Donc là, mes cheveux sont bien évidemment démêlés. Hein. J'ai fait ça depuis lors du bain d'huile. Donc j'ai pris un peu de matière que je fais chauffer dans mes mains pour le ramollir et que j'applique sur mes cheveux, qui va servir de barrière et garder l'humidité un maximum de temps à l'intérieur de mes cheveux. Et ensuite, je fais une natte. Pour tout te dire, j'aurais préféré faire une vanille. Déjà parce que ça va plus vite. Ensuite parce qu'il y a moins de tension sur la racine. Et j'aime beaucoup les ondulations des vanilles. Mais le problème, c'est qu'au bout, mes cheveux sont défrisés, ça ne restera pas. Donc même là, hein, en faisant la natte, le bout, ça ne restera pas. Donc je serai obligée de mettre des élastiques. Sauf que la vanille, ça ne sert à rien de mettre des élastiques. Ça va se défaire. Je pense à une information très importante. Donc là, vous m'avez vu utiliser du beurre de cacao comme ça sur les cheveux. Beurre de cacao, beurre de karité, tout ça, c'est bon pour les cheveux, mais il faut faire très attention à comment vous l'utilisez. C'est-à-dire que le beurre de cacao et le beurre de karité, ça va faire une barrière à tes cheveux, d'accord? Ça va, isoler entre guillemets tes cheveux, les protéger des frottements, de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, et aussi préserver l'hydratation que tu as déjà. Donc tu peux utiliser ça pour sceller ton hydratation, comme là, c'est-à-dire mes cheveux, l'hydratation là c'est optimum puisque c'est le jour de mon shampoing, donc ils sont gorgés d'eau, c'est le moment où il faut faire ça. Mais si tu attends dans la semaine, je sais pas, 5e, 6e jour, et tu te dis tiens, mes cheveux manquent d'hydratation, j'insiste bien, d'hydratation, je vais mettre du beurre de cacao ou du beurre de karité. Non, c'est pas une bonne idée. Ça n'hydrate pas. Ok? Ça n'hydrate pas. Ou tes cheveux auront l'air brillants, tu seras content, tu vas dire ça fonctionne. Mais en fait, c'est une espèce de maquillage parce qu'à l'intérieur, ils seront toujours aussi secs. Si ce n'est plus sec, puisqu'ils ne pourront même plus prendre l'air de l'humidité extérieure et tout, donc bref, ça va faire l'effet contraire de ce que tu veux faire. Ok, je ne sais pas si je m'explique bien, parce que jusqu'à présent je vous montre des produits, c'est l'objectif, hein. Je vous avais dit que j'allais vous montrer pas mal de produits Black Owned et vegan pour ne plus entendre ouais mais il n'y en a pas, je ne sais pas quoi acheter, je ne sais pas quel produit, je vais te dire écoute, j'ai fait des vidéos en 2024, va jeter un œil, utilise le moteur de recherche de Google, même Google et YouTube, et tu tomberas sur mes vidéos. Ok? Bon. Mais ensuite, je vais vous détailler tout ça, l'utilisation de chaque produit, et aussi certains produits que je n'utilise pas, certains types de produits que je n'utilise pas, et je vais vous expliquer pourquoi je ne les utilise pas. Par contre, là, quand je vous montre les produits, je vous montre tout de la gamme. Ça ne veut pas dire que moi, dans ma routine au quotidien, je vais utiliser tout ça. Ok? Voilà, donc là je pensais à ça, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer.
C'est top pour sceller l'hydratation, mais ça n'hydrate pas. C'est pas un truc qu'il faut mettre comme ça. Enfin, voilà, je pense que tu as capté. Voilà. Bon, moi, je vais à la pharmacie. Là, si je peux vous montrer l'écran de l'autre côté. Je vais acheter de la spiruline. Voilà, parce que j'avais l'habitude. Ça fait 3 ou 4 fois seulement que je prends ça. 3 fois que je prends de la spiruline. Depuis que je suis végane, en fait. Ce n'est pas lié au véganisme. Hein. Attention. Tout le monde peut prendre de la spiruline. C'est bon pour plein de choses. Je te laisse aller checker sur notre ami Google. Et c'est vrai que les véganes aiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de protéines dedans. Ça aussi, beaucoup de bienfaits pour stimuler la pousse des cheveux. Enfin bref, c'est ce qu'on appelle un super aliment. Voilà, donc je vais voir à la pharmacie ici parce que depuis que je suis à Colin, je ne sais pas s'ils ont ça ici. Là où j'habitais à l'Ajaï, il y avait ça à côté. Et s'il n'y en a pas là, j'irai dans une boutique bio. Voilà, c'est tout. Je t'ai déjà montré ma routine shampoing, quelques-unes, d'accord, avec des marques que j'aime bien. Là, je vais te montrer la routine que je fais au milieu de la semaine à peu près. C'est ce que j'appelle mon refresh, pour que mes cheveux restent toujours aussi bien hydratés. Donc, un spray hydratant, ok? Pas un spray démêlant, un spray hydratant. Ensuite, j'utilise un leave-in. Donc, une fois que mes cheveux ont bien été humidifiés, leave-in. Et ensuite, je vais terminer avec quelque chose qui va sceller cette hydratation. Et là, aujourd'hui, ce sera avec un beurre de cacao. Et j'ai terminé. Je ne touche plus à mes cheveux jusqu'au prochain shampoing. Alors, ça te paraît compliqué ?